Bonjour, je m'appelle Suzanne, je suis Syrienne. J'arrive au Canada depuis le 7 novembre 2017. J'émigre au Canada avec ma famille, mes parents et mes 4 frères. J'habite ici au Gatineau, dans la province du Québec. Je te dis au pré-secondaire depuis 1 an après que je termine ma 6e niveau au français. Je suis maintenant un résident bréménois et j'ai le droit de demander à la citoyenneté canadienne. J'ai quitté mon pays Syrie à cause de la guerre. Je suis allée au Liban avec ma famille. On habite là-bas 5 ans. Mais dans notre 3e année, mes parents ont décidé d'émigrer au Canada. On fait la demande en 2015. On a réussi d'être d'immigration au Canada après 1 an complètement. Mais on a réussi aussi les dates de voyager au Canada en 2017, dans le mois de novembre. Mon premier choc a été la ville. Je m'attends à voir des rues blanches de musique et des gens qui restent jusqu'à minuit. J'attends de voir des magazines qui ne ferment jamais, qui être 24 heures à 24 heures. Alors, je suis choquée quand je vois qu'il y a beaucoup de magazines qui ferment samedi et dimanche. Et le magazine qui ouvre plus tard, c'est jusqu'à 8 heures à 10 heures. Alors, c'est une chose qui m'a choquée beaucoup. Et surtout, c'est l'habillement, parce que aussi au Canada, ce n'est pas important. Mais pour nous, quand on voudrait émigrer au Canada, oh mon Dieu, on achète beaucoup, beaucoup de vêtements et des bonnes marques. Mais quand on arrive, on voit des gens qui sortent toujours avec des pyjamas ou quelque chose comme ça. Alors, c'était une chose qui était drôle pour moi au début, mais après, j'étais en train de faire la même chose. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de la donner à choisir les bons vêtements ou chaque jour de nouveaux vêtements. Avec le temps, on a très, très, très occupé. Alors, au début, c'est une chose qui m'a choquée, mais avec le temps, c'est une chose qui était très bonne pour moi. Au début, je trouve une grande difficulté avec la langue française. Surtout que je ne parle pas l'anglais aussi. Alors, c'était très difficile pour moi parce que je commençais de prendre le français au zéro. La première année, c'était très, très difficile, mais avec le début de deuxième année, c'était bien mieux pour moi parce que je commençais à parler avec le français avec les gens. Je commençais à comprendre le français. Alors, c'était bien pour moi. Et aussi, surtout, c'est l'hiver aussi au Canada. C'est très difficile. En hiver, on reste beaucoup de temps à la maison. On peut pas sortir, faire toutes les activités qu'on fait dans notre pays, l'Europe. Alors, c'était un peu difficile pour moi. Mais maintenant, je peux dire que j'ai habitué dans les cultures canadiennes, dans les communautés canadiennes. On a presque connaît toutes les activités qu'on peut faire à l'hiver. Alors, c'est beaucoup mieux pour moi maintenant. Mais ma première année, c'était vraiment très, très difficile. J'ai fait les dépressions pendant 3 mois ou 4 mois, je pense, parce que la première mois, moi, parce que j'adore la neige, c'était mieux. Mais après, quand je vois qu'il y a beaucoup de neige, c'était difficile pour moi.